Le camion curieux. Lifty, le chariot élévateur, joue sur l'air de jeu. Regarde comme il lance les cubes. Oh, Lifty, c'est un pot de peinture. Lifty est tout blanc. Ne t'en fais pas. Allons voir Léo, il va te repeindre. Bonjour Léo. Ne ris pas, Lifty a besoin d'aide. Il est couvert de peinture. Peux-tu le repeindre? Léo, est-ce que tu es prêt? De quelle peinture avons-nous besoin? Noir. Gris. Orange. Rouge. Jaune. Vert. Bleu. Lifty, Léo va te repeindre. Nommons les couleurs ensemble. Noir. Gris. Orange. Jaune. Rouge. Léo, Lifty a également un nez rouge. Bien joué. Et de quelle couleur est sa casquette? Bleu. Léo, est-ce que Lifty a une casquette bleue? Elle est verte, bien sûr. Tout est bon maintenant.
Lifty, Léo, c'est l'heure de jouer. Léo, le camion curieux. C'est une aire de jeu. Et voici Léo, le camion curieux. Léo, où vas-tu? Regarde, c'est un camion de pompiers. Mais il est blanc. Peignons-le. 1. Voici les peintures. Léo, es-tu prêt à choisir les couleurs? Noir, gris, orange. Rouge, bleu, vert. Léo, es-tu sûr de toi? Léo est prêt à peindre. Peux-tu l'aider à nommer les couleurs? Noir. Orange. Rouge. Gris. Bleu. Vert. Penses-tu qu'un gyrophare puisse être vert? Choisissons une autre couleur. Bleu et orange. Tout est correct maintenant.
Notre camion de pompier a une échelle rotative. Et le gyrophare tourne également. Le camion est prêt à aller éteindre un feu. Bon travail, Léo! Léo, le camion curieux, toujours de bonne humeur. Dans sa peine, il amène des pièces pleines de couleurs. Léo, le camion curieux. Regarde, voici un petit camion. Il s'appelle Léo Junior. Oh, qu'est-ce que c'est? Cet arbre est blanc. Cela ressemble à un pommier. Nous devons le colorier. Et voici les peintures. De quelle peinture as-tu besoin pour colorier le pommier? Vert. Marron. Jaune. Rouge. Et bleu. C'est bien. Colorions. Aide Léo Junior à nommer les couleurs. Marron. Le marron est pour le tronc de l'arbre. Vert. Le vert sert à colorier les feuilles. Bon travail! Continuons, Léo Junior. Jaune. Le jaune est pour les pommes. Bleu. Léo, as-tu déjà vu des pommes bleues? Non. De quelle couleur avons-nous besoin? Rouge. Des pommes rouges bien mûres. Bravo, Léo! Ce pommier est vraiment magnifique!
ramène des pièces plein de couleurs. Léo le camion curieux, toujours prêt à nous épauler. Et ensemble nous construisons une machine pour nous aider. Léo, Léo. Léo le camion curieux. Voici Scoop la pelleteuse. Aujourd'hui, Scoop et un rouleau compresseur vont construire une piste de décollage pour les avions. Scoop, tu as entendu ? C'est un bruit d'hélice. Oh. Un avion approche. L'avion a atterri. Excellent. Oh, on dirait que tous les robots veulent voler. Les robots, vous ne pouvez pas tous monter dans un petit avion. Regardez ce que Léo a amené. Nous allons construire un gros avion de ligne. Voici la carrosserie d'un avion. Cela s'appelle le fuselage. Le nez, avec un cockpit pour le pilote. La queue. Ces petites ailes à l'arrière sont des stabilisateurs. Les ailes. Une porte et des hublots. Un châssis, mais il manque quelque chose. Les moteurs, ils devraient être placés sous les ailes. Allons les chercher. Bonjour Lifty. As-tu des moteurs d'avion dans ton magasin ? Aide-nous à choisir, Léo. Est-ce que ceci pourrait fonctionner ? Non. Et cela ? Non. Cela ressemble exactement à ce qu'il nous faut. Hourra ! Léo, mets-les à l'arrière. Fixons les moteurs aux ailes. Deux. Et voilà. Et maintenant, tous les robots peuvent voler. Ils sont déjà à bord.
l'avion est prêt à décoller. Démarrons les moteurs. C'est parti pour le décollage. Regarde un peu comme ils sont hauts. Au revoir, les robots. Léo le camion curieux, toujours de bonne humeur. Dans sa peine, il amène des pièces pleines de couleurs. Léo le camion curieux, toujours prêt à nous épauler. Et ensemble, nous construisons une machine pour nous aider. Léo, Léo. Léo, le camion curieux. Léo se promène sur la route. Il a vraiment beaucoup de pièces dans sa benne. Regarde, voici un carrefour. Quatre petites voitures s'approchent de Léo. Les petites voitures, faites attention, ne rentrez pas dans Léo. Les fondations sont déjà terminées. Et voici les pièces. Les petites voitures, Léo va vous construire un vrai parking aujourd'hui. Mets ton casque comme un vrai maçon. Mettons une barrière à l'entrée du parking. Et maintenant, quatre supports. Puis le deuxième étage. Et une rampe pour que les voitures puissent monter et descendre. Pour que ce soit plus facile, nous allons construire un ascenseur. Est-ce que ça te plaît, Léo? Les petites voitures vont se garer. Elles font la queue devant la barrière. Bientôt, le feu va passer au vert et la barrière va se soulever. Mais il faut d'abord marquer les places de parking. Léo, trouvons de la peinture. Voici les bombes de peinture. Léo, sais-tu comment les utiliser? Quelle couleur devons-nous choisir? Blanc, bien sûr. Le blanc ressortira bien sur le goudron gris. C'est parti, Léo. Comme ceci. Une place pour chaque voiture. Léo a reculé sur la rampe. Tout est prêt. Soulevons la barrière. Toutes ces voitures. Mais il y a une place pour tout le monde.
Léo dessine des flèches blanches à l'entrée. Il attend de nouvelles voitures. Les voilà! Un camion transporteur de voitures les a amenés. Les voitures, bienvenue au parking. Merci Léo. Léo le camion curieux, toujours de bonne humeur. Dans sa peine, il amène des pièces pleines de couleurs. Léo le camion curieux, toujours prêt à nous épauler. Et ensemble, nous construisons une machine pour nous aider. Léo, Léo. Léo le camion curieux. Léo le camion est pressé d'ouvrir une nouvelle attraction au parc. Tout est presque prêt. La grue termine la construction. Les robots se baladent et attendent que le manège soit prêt. Léo est arrivé. Qu'a-t-il amené? Hurrah ! La construction est terminée. Le manège fonctionne. Les robots, vous êtes à l'heure. Prenez place. Oh ! Il n'y a pas assez de place pour le troisième robot. C'est ce que Léo a amené. Des pièces pour le manège. Construisons-le. Une plateforme bleue. Une carrosserie avec deux parties. Violette. Et jaune-orangé. Mettons le siège. Les phares avant et arrière. Les roues. Elles connectent la voiture au rail. Deux pièces pour connecter les voitures. Une à l'avant et une à l'arrière. Oups ! La voiture est sur le rail. Connectons-la aux autres. Le robot violet est très content. Prêt à partir ? Abaissons la barre de sécurité. Oups, cette voiture n'a pas de barre. Il est impossible de partir sans la barre de sécurité. Elle devrait être fixée ici. Léo va la chercher. Regarde bien. Elle est quelque part par ici. Et voilà, une barre de sécurité pour la troisième voiture. Robot, réveille-toi.
Tout est prêt. Vous pouvez y aller. C'est parti! Ça monte jusqu'en haut. Puis ça redescend. Comme ça va vite! Nous sommes arrivés. Ah! On dirait que les robots ont un peu peur. Mais ils ont vraiment apprécié le tour. Merci Léo. Léo le camion curieux, toujours de bonne humeur. Dans sa peine, il amène des pièces pleines de couleurs. Léo, le camion curieux. Des melons, des pommes de terre. Lifty a rempli tous les wagons du train bleu. Le train part. Il transporte un sous-marin, un tracteur, des quilles, du lait, de la paille, des pastèques et des légumes. Oh, le train a du mal à gravir la colline. Le train à vapeur bleue ne peut pas transporter une charge aussi lourde. Le train s'arrête et redescend la colline en marche arrière. Que faire? Robot, tu as une idée? Bonjour Léo le camion, est-ce que tu peux nous aider? Léo a amené les pièces d'une grosse locomotive puissante. Nous allons l'assembler maintenant. Voici une plateforme grise. Fixons des roues. Une cabine spacieuse. Elle va contenir le panneau de commande. Les fenêtres et les portes. Un compartiment pour le moteur diesel et le moteur. Des marches et des réservoirs à carburant. Les phares. Les dernières pièces sont en place. La locomotive est prête.
il est temps de débrancher le train à vapeur bleue des wagons. Mettons la locomotive sur les rails. Voilà le camion citerne. Il est temps de faire le plein de carburant. Les réservoirs sont pleins. Merci, camion citerne. Robot, on peut repartir. Oh, nous avons oublié le mécanisme de raccord. Il faut trouver deux pièces pour connecter la locomotive et les wagons. Léo, sais-tu à quoi elle ressemble ? La roue va permettre de relier les wagons à la locomotive ? Non. Et ça ? Non. Voilà exactement ce dont nous avons besoin. Léo, vite, amène les pièces. Mettons en place le raccord. Et voilà! La locomotive tire les wagons. Comme elle va vite! Hourra! Le train gravit la colline. Bon travail, Léo le camion. Léo le camion curieux, toujours de bonne humeur. Dans sa peine, il amène des pièces pleines de couleurs. Léo le camion curieux, toujours prêt à nous épauler. Et ensemble, nous construisons une machine pour nous aider. Léo, le camion curieux. Aujourd'hui, Léo a beaucoup de pièces. Je me demande ce qu'il va construire. Ah. Un morceau de circuit. Ouh. Deux boucles. Un autre morceau de circuit, des supports, une rampe, des virages, une grosse boucle.
des feux de circulation, c'est un circuit de course. Les voitures en jouets vont pouvoir faire la course. Léo, il faut trouver les petites voitures et les télécommandes. Peux-tu le faire? Regarde, Léo a trouvé des télécommandes. Une, deux. Maintenant, nous devons trouver des petites voitures. Ah, c'est Scoop la pelleteuse qui joue avec. Léo, Scoop, emmenons ces voitures sur le nouveau circuit de course. Mettons les voitures sur la ligne de départ. Rouge, orange, vert, c'est parti! Elles sont vraiment rapides! Et une boucle! Plus vite, Scoop! Une autre boucle. Vas-y, Léo. C'est un super circuit de course. Léo, le camion curieux. Léo, le petit camion, sort du garage. Que se passe-t-il? Oh, Léo a mis une casquette pour se protéger du soleil. Il fait très chaud aujourd'hui. Tout le monde est dehors. Les robots jouent au ballon près de la rivière. Et Léo va construire un nouveau véhicule. Hé, attrape le ballon, robot! Léo va décharger les pièces et va construire un camion à glace. Voici une carrosserie blanche. Voici une machine à glace. Des ailes. Des portes. Quatre roues. Un pare-choc avant et un pare-choc arrière. Une grille de radiateur. Des phares avant.
deux stores pour protéger du soleil, des haut-parleurs et une énorme glace en plastique pour que tout le monde sache que l'on peut acheter des glaces délicieuses par ici. Le camion de glace est prêt. Hé, robot, tu veux faire un tour? Viens! Les amis, regardez, c'est un camion à glace. Si seulement je pouvais en offrir une à tout le monde. Il n'y a pas de glace. Ne soyez pas tristes, les robots. Léo, tu veux bien nous aider? Pour faire des glaces, il faut du lait et des cônes. Nous en trouverons au magasin de Lifty. Bonjour Lifty. Bien sûr Léo, tu peux prendre du lait et des cônes. Merci, Lifty. Hein? Wow. Remplissons la machine à glace de lait. Et voici un cône. Robot, appuie sur le levier. Ça marche! Robot rouge, où vas-tu? Veux-tu une glace à la fraise? Mets la fraise dans la machine. Et voilà, une glace à la fraise. Je t'en prie. Excellent travail, Léo. Léo, le camion curieux, toujours de bonne humeur. Dans sa peine, il amène des pièces pleines de couleurs. Léo, le camion curieux, toujours prêt à nous épauler. Et ensemble, nous construisons une machine pour nous aider. Léo, Léo. Léo, le camion curieux. Léo le camion se promène sur la route. Quadcoptère le surveille depuis le ciel. Super saut! Oh, quelque chose est tombé de la benne de Léo. Quadcoptère, as-tu remarqué? Regarde, Scoop a ramassé les pièces. C'est ici qu'habite Léo le camion. L'ascenseur l'emmène au deuxième étage de sa maison. Oh, que c'est sale!
Oh. Oh. Que de déchets au sol. Léo, construisons un aspirateur. Quadcopter est venu voir lui aussi. Nous allons construire un aspirateur rond. Et il a des roues comme ceci. Maintenant, fixons les brosses. Le compartiment à saleté. Les capuchons latéraux. Le filtre à air. Le moteur avec la touche de mise en marche. Et où est la batterie? L'aspirateur ne peut pas fonctionner sans batterie. On dirait que Quadcopter sait où la trouver. Scoop, Léo construit un aspirateur. Donnons-lui la pièce jaune que tu as trouvée. Scoop, donne la batterie à Léo. Est-ce que tout est prêt? Léo, mets-le en marche. Waouh, regarde! L'aspirateur enlève les saletés. Scoop, n'aie pas peur. Maintenant, la maison de Léo est toute propre. Léo le camion curieux, toujours de bonne humeur. Dans sa peine, il amène des pièces pleines de couleurs. Léo le camion curieux, toujours prêt à nous épauler. Et ensemble, nous construisons une machine pour nous. Léo, le camion curieux. Bonjour Léo. Regarde, il y a tellement de véhicules au carrefour que Léo ne peut pas passer. Sois prudent Léo.
Je pense qu'il faudrait des feux de circulation. Construisons des feux de circulation. Fixons tout d'abord les éléments. Et maintenant le poteau. Et voici des ampoules de couleur, rouge et orange. Il manque des ampoules. Oh. Les vertes. Veux-tu bien aller les chercher, Léo? Ah. Bonjour, Lifty. Lifty a plein d'ampoules. Lesquelles sont les vertes? Réfléchis, Lifty. Hein? Toi aussi, Léo, réfléchis. Oh. Oh. C'est cela. Voici trois ampoules vertes. Maintenant, tout est en place. Rouge, orange, vert, ça fonctionne. Les véhicules peuvent passer lorsque le feu est vert. Pour l'instant, le feu est rouge et ils doivent s'arrêter. Tu peux y aller, Léo. Bien joué.